Clap. Bonjour et bienvenue dans mon émission de cuisine qui s'appelle La cuisine tout en s'amusant. Aujourd'hui, comme c'est Halloween, j'ai décidé de vous apprendre à faire la formidable soupe à la citrouille. Pour faire une soupe à la citrouille, il vous faut, qui l'eût cru, une citrouille, mais aussi une casserole. Une planche à découper. N'utilisez pas votre corps, ça ne marche pas, il faut vraiment une planche par-dessus. Un joli couteau. Il vous faut aussi de l'eau ou votre salive si vous n'avez pas d'eau sur vous. Donc, vous commencez avant toute chose par prendre la citrouille et par lui parler. N'oubliez pas qu'une citrouille peut devenir un carrosse. Coucou ma petite citrouille, tu es mignonne. Tu veux manger quelque part un jour? Ah, tu veux pas? Bon, tant pis, je vais faire une soupe à citrouille avec toi. Coucou! Ensuite, vous pouvez poser la citrouille sur votre tête car c'est rigolo. Mais ça ne va pas, donc c'est dommage. Faire une blague avec, téléphoner. Allô, ouais, c'est moi, ouais. Mais c'est pas très drôle, alors vous pouvez également faire une soupe à la citrouille! Alors, c'est parti. On prend le couteau et la planche à découper et on découpe la citrouille dessus. Alors voilà, vous pouvez essayer de découper les doigts avec, c'est possible. Alors c'est très facile les citrouilles, hein. Donc il faut faire attention normalement. Voilà. Ah, c'est assez fatigant, donc les gars, ça vous a coupé comme ça en deux, hop là. Ensuite il y a des petits grains à l'intérieur, vous pouvez donner à manger à vos amis si vous les aimez pas trop. Vous mettez une petite verre comme ça, dessus vous mettez du sel, du pain, vous dites que c'est une verrine. Donc voilà, vous découpez tous ces petits grains, mais là vous ne les verrez pas. Hein. Hop hop hop, et ensuite, bon, si vous avez la flemme de découper plus la citrouille, c'est pas grave. Vous les mettez quand même, hop là, dans la casserole. Et une. Et de deux. Voilà, ça suffit en général parce que le secret de la citrouille, c'est de le mettre très longtemps dans la casserole. Ensuite, vous mettez cette casserole donc avec les deux bouts de citrouille dedans et un peu d'eau, donc, ou de salive si vous n'avez pas d'eau. Et voilà, vous la mettez sur le feu. Ah, il faut allumer le feu aussi. Enfin, chic. Et alors, vous laissez cuire pendant bon, quelques heures, un petit peu de temps. Donc, en attendant, pendant tout ce temps, pendant que ça cuit, quoi, je vais vous chanter quelques petites chansons de mon invention. Chamallow, sucette, fruits, poires.
Mise en scène. Boire, manger, gonfler, avaler. Pas morcu, morcu, morcu. Petite fille, cours. Petite fille, maison. Gentille dame, joli chocolat chaud. Chantilly, cannelle. Aider, bien sûr. Avec plaisir, je vais t'aider. Bête, la gentille. Bête, porte grande ouverte. Sorcière, digestion. Dans la maison. Gentille, maligne, en fait, en vrai, gentille, piège, piège, rose bonbon, gage, embolus, sorcière, pop 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 pop. Oh, sorcière piège. Pas si vite, petite fille, méchante, méchante, saute sur la gentille, dans le cou, mort, 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 gentille, sorcière, morcule, morcule, libérée, libérée. Pas en courant, cache partout. Gentille, se relève, prépare gâteau, super gâteau, gâteau magique, gâteau rose bonbon, gâteau avec des mots. Et on envoya le gâteau à la sorcière méchante, par un gigantesque tremblateur à travers toute la forêt. Et quand la sorcière se mit à manger le gâteau, oh, les petits mots magiques avaient mis la gentille dans le gâteau, se mirent à pénétrer un voyant du système digestif de la sorcière. Et alors, la sorcière s'est mise à vomir, et elle vomit tous les enfants qu'elle avait avalés depuis des années, et tous les enfants, à courir à travers toute la forêt, et enfin ils sortirent de cette forêt magique et méchante, et ils arrivèrent dans un immense champ, où il y avait un immense petit déjeuner. Profite de ce moment surtout. Il y avait 5 croissants. Sois contente. Il y a pas d'égout. Ça sent ma mère. Non.